Alors, revoyez une situation stressante que vous avez vécue, hein, que vous vivez actuellement. Alors, la question, c'est le stress. C'était plutôt perçu comme un ennemi ou un ami, une aide ou plutôt une contrainte? Allez, allez-y dans le chat. Allez-y, allez-y, allez-y. Est-ce que c'était plutôt un ami ou un ennemi? Voilà. Je suis un petit peu comme ça, très, très basique, mais ça permet au moins. Voilà. Est-ce que c'était plutôt un ami ou un ennemi? Voilà. Un ennemi. Voilà. Ennemi, ennemi, ami. Ok, ennemi. Ok. Voilà. Ennemi en tout point. Ouais. Ennemi avec un smiley. Ouh. Ouais. Alors, ce soir, qu'est-ce que nous allons voir dans ce webinaire? Excusez-moi, je suis un petit peu enroué. Alors, ce qu'on va traiter. Alors, imaginez si vous pouvez faire du stress à un allié. Hein, là, vous avez des photos, hein, j'ai cliqué dessus. Hein, la personne qui le fait, c'est une personne qui fait pas mal d'illustrations. J'ai mis son nom quelque part. Hein. Si vous voulez un petit peu avoir les personnes qui font les photos, les dessins, ce n'est pas de moi. Hein. Voilà. On va voir, on va définir le stress. Est-ce que c'est un état crash? Voilà. Hein. On va changer, j'espère que vous avez changé pour certains la perception que vous avez du stress. Et peut-être créer une routine pas à pas pour transformer le stress en quelque chose de bien plus puissant. Moi, ce que j'ai dit, je transforme le stress en des espaces de solutions. Voilà. Alors, attendez, je vais peut-être aussi réduire ma fenêtre. Il me faudrait au moins une dizaine d'écrans, moi, pour pouvoir gérer tout ça. Voilà. Alors, comme ça, alors. Ouais, quand ça arrive, c'est plutôt négatif, le stress. Voilà. Mais on va voir que le stress, on va pouvoir en faire d'autres choses. Alors, les cinq étapes de ce webinaire. Donc, la définition, l'outil anti-stress, j'appelle ça l'outil anti-stress, le processus de transformation du stress. Voilà. Les offres, hein, les offres que j'ai pour traiter ça. Voilà. Et les ressources que vous pourrez avoir sur tout ce que je donne aujourd'hui. Donc, j'ai collecté ça sur quelques slides, mais ça, vous l'aurez dans le support. Donc, vous verrez que toutes les ressources complètement gratuites que vous pourrez avoir à votre disposition. Alors, l'utilité de cet atelier, c'est vraiment de changer votre. Merci de couper les micros. Voilà, je l'ai coupé. Hein, et changer votre manière de gérer votre stress en le transformant, ce que j'appelle le transformer en espace de solution. Donc ça marche aussi pour des questions personnelles, professionnelles, ça marche de partout. Hein, donc n'hésitez pas, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dans le milieu professionnel. Alors, l'origine du stress. Eh bien, le stress, d'abord, c'est une énergie. Pensez bien à ça, que le stress, c'est vraiment une énergie. Hein. Et quand il est là, c'est pour vous signaler d'un danger. Parce que le stress, il était fait pour nous. C'est un élément de survie. Hein. Le stress, il est là pour nous signaler d'un danger. Hein. Donc, pensez maintenant, quand vous avez du stress qui arrive, c'est un ange gardien. Hein. C'est votre ange gardien qui est là et qui est en train de vous dire quelque chose. Et quand le stress arrive, il y a certaines fonctions vitales qui sont stoppées. Ça, c'est très important. Et tant que le stress n'est pas traité, puisque le stress va prendre beaucoup d'énergie, hein, il y a des fonctions vitales qui vont être coupées. Et une chose aussi, comme ça prend beaucoup d'énergie, si on ne fait pas attention, eh ben, on va s'épuiser. Et c'est là que intervient ben, les maladies telles que le burn-out, les dépressions, des choses comme ça. Donc le stress, c'est quelque chose de, c'est un ange gardien. Ce qu'il y a, c'est le stress chronique, peut-être très 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 dangereux, puisqu'il va diminuer notre façon enfin non, il va diminuer notre énergie et il va notamment diminuer notre immunité.
Voilà, c'est ça qui est important. Et en plus, en ce moment, avec ce qui se passe au niveau de la crise, c'est bien d'être très fort en termes d'immunité. Donc, attention, notre attention, voilà, notre attention et nos sens sont focalisés sur le danger. Quand il y a un danger, tous vos sens sont focalisés. Alors, les sens, c'est quoi? Alors, on connaît l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, mais aussi le sixième sens. Imaginez que vous chassez, je sais pas, chassez une proie, ben vous êtes peut-être, à l'époque, il y avait peut-être un prédateur qui vous chassait. Donc, vous avez les cinq sens pour voir, observer et tout, mais vous avez aussi le sixième sens, hein, le troisième œil qui est là. Donc, vous avez tous vos sens. Hein, vous avez vos six sens qui sont en action. Le stress donc consomme beaucoup d'énergie au détriment d'autres fonctions. Hein. Le stress, c'est vraiment quelque chose qui est énergivore. Ça, il faut vraiment que vous y pensiez. Parce que si vous ne traitez pas le stress, on va sur des graves problèmes et on peut devenir vite très malade. Hein. Donc ça, c'est important. Les gens qui sont de burn-out, la première chose, c'est leur redonner de l'énergie parce qu'il faut leur redonner du peps. Et transformer le stress, c'est vraiment de permettre vraiment une nouvelle croissance. Les plantes ou les hommes ou les espèces ont deux choses. Soit qu'ils croient, donc ils font de la croissance, soit qu'ils font de la survie. La croissance, ils développent, la survie, ils stagnent. Hein? Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Soit vous vous développez, soit que vous stoppez ou vous mourrez. Hein? Donc ça, c'est important. Donc, et le stress n'est pas quelque chose qui va favoriser la croissance. Tant qu'il est là, il ne favorise pas la croissance. Quand il sera transformé, le stress va disparaître et là, vous pourrez de nouveau croître. Donc ça, c'est important à bien avoir en tête. Ce qui est important de savoir dans tout ça, donc c'est bien de comprendre l'utilité du stress, hein, et de transformer l'état de survie, donc le stress, qui est vraiment là pour un phénomène de dégénérescence, en un état de croissance, donc un état de générescence. Et notamment dans la science collective, nous, ce qu'on s'intéresse à faire, c'est créer de générer quelque chose de nouveau. Donc, on est vraiment dans un phénomène de croissance. Mais s'il y a des gens qui sont en stress ou en crash, ça ne peut pas le faire. Donc, la première chose, si on veut faire la générescence, générer quelque chose de nouveau, il va falloir que tous les gens, s'il y en a, s'il y a des crashs, il va falloir les transformer. Tant que ce n'est pas transformé, on n'avance plus. D'abord, on va transformer les crashs pour qu'on soit du côté positif. C'est ça qu'on va voir ce soir. Alors, la transformation du stress, ça va vous permettre de quitter rapidement des situations paralysantes. Parce que quand on est stressé, ben, une des trois réactions, souvent, on est paralysé. On n'arrive plus rien à faire. Hein. Alors, je ne parle pas de la procrastination, mais on n'arrive plus rien à faire. Notamment, notre cerveau, des fois, il est bloqué. Et non, on n'arrive pas à réfléchir. On n'arrive plus à prendre de décision. Donc, on tourne en rond et on est un petit peu bloqué parce que souvent, on ne sait pas quoi faire. Hein. La transformation du stress va vous permettre d'aller vers de la sérénité et de l'équilibre. Souvent, les gens ils me disent, mais comment tu fais pour être serein? Un jour, j'ai fait une grande manifestation et 50 personnes, la personne qui m'avait mandaté, elle me dit, mais on était tous paniqués et toi, tu étais tellement serein qu'à un moment donné, j'ai lâché. Et en fin de compte, ça a été mieux, quoi. Mais comment tu fais? Ben je lui dis, ben c'est parce que je vais vous dire ce soir notamment. Hein. C'est que le stress ou le crash, je sais les appréhender. Voilà. Ça va vous permettre justement les dépressions et le burn-out, parce que les dépressions et le burn-out, c'est du stress récurrent. Et plus tôt vous allez transformer le stress, ben beaucoup moins vous aurez de chances d'aller dans une dépression, voire même un burn-out, puisque vous aurez changé notamment des actions, des décisions. Hein. Parce que vous allez voir que derrière un stress, eh ben, il y a une solution, et derrière une solution, il y a une décision, une action. Donc, ça vous permettra ben, justement d'éviter ce genre de choses. Hein. Ça va vous faire gagner beaucoup d'énergie, et quand je dis gagner beaucoup d'énergie, c'est énorme. Et donc, si vous avez plus d'énergie, vous avez quelque chose en plus pour performer plus. Si vous voulez augmenter votre performance,
Et ben, ce soir, c'est vraiment la chose, la première à faire, c'est d'être en capacité justement de traiter le stress ou se mettre dans un état anti-stress tout le temps. Et vous serez de plus en plus performant, je vais pas dire sans rien faire, mais en faisant pas grand-chose. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en faisant l'arme anti-stress, on va pouvoir performer plus parce qu'on va pouvoir avoir beaucoup d'énergie tout le temps. Voilà. Et on va permettre aussi avec d'autres choses de consommer peu d'énergie quand on fait les choses. Donc non seulement on recharge vite nos batteries, mais en plus quand on fait quelque chose, une tâche notamment, on consomme peu d'énergie ou moins d'énergie. Et surtout, surtout, et là c'est un petit peu important en ce moment, ça va renforcer votre système immunitaire. J'écoutais notamment des gens sur ce qui se passe en ce moment, ils disaient ben, les gens qui sont beaucoup atteints notamment, hein, c'est les gens qui sont immunodépressifs. Donc les gens qui sont immunodépressifs, eh ben, s'ils avaient une arme anti-stress pour qu'ils soient plus immunodépressifs, eh ben, ils seraient moins sujets justement à ce qui nous embête depuis 2 ans. Voilà. Alors, ce qui est très important, et souvent on l'oublie, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour être face au stress. Je le dis, c'est un peu aussi une de mes particularités. Je fais très attention justement à le mindset. Donc, le très important, c'est-à-dire qu'il faut avoir un esprit positif. Demain, si vous avez du stress, il va falloir l'accueillir avec le sourire. Et puis essayer de le cacher, de le contrôler et tout. Il faut juste l'accueillir et être très positif parce que quelque part, c'est votre ange gardien qui est en train de vous dire quelque chose. Donc, être ce qu'on appelle en état coach, hein, pas en état crash. Hein. Donc, ça, on va voir l'arme anti-stress tout à l'heure. On verra tout ça. Après, c'est de revenir, on va voir, très important, dans un état ce qu'on appelle présence. Souvent, quand on est en stress, on n'est plus dans le présent. Hein. On n'a pas notre tête, on a notre tête ailleurs. Et le but, quand on est en crash, c'est d'être vraiment en conscience. Et pour être en conscience, il faut revenir à l'instant présent, à ici et maintenant. Ça, c'est super important. Et ça, c'est très difficile au départ quand on ne sait pas, parce que souvent, on est perturbé et on ne sait pas d'abord qu'on n'est pas présent. Et quand on n'est pas présent, ben, on n'est pas conscient. Et quand on n'est pas conscient, on ne peut pas le faire. Donc soyez conscient quand vous êtes en crash de revenir tout de suite dans les temps présents. Alors si vous n'avez pas l'habitude, il faudra un peu de pratique. Pour les gens qui ont l'habitude, soit qu'on prend un ancrage ou soit qu'on fait quelque chose pour revenir dans l'état présent. On va le voir tout à l'heure. Ça va vous permettre aussi d'éviter les trois réactions du cerveau reptilien. Il y a trois réactions quand on est face à un stress, puisqu'on est là en termes de survie. On se bat. On a quelqu'un qui nous agresse, on se bat. Il y a quelqu'un qui nous agresse, on peut fuir. Il y a quelqu'un qui nous agresse, on peut ne rien faire. On peut être tétanisé. Je prends toujours cet exemple du chat qui a pris l'oiseau. À un moment donné, l'oiseau, il ne va plus rien faire. Et il va se dire, j'espère que le chat, maintenant, je ne l'intéresse plus. Et dès qu'il aura le dos tourné, je vais pouvoir repartir. Et ben, c'est ces trois réactions qui sont dans ce qu'on appelle le cerveau reptilien et qui est tout de suite en connexion, et donc qui connecte, qui passe au-delà de la pensée. Pour justement réagir vite. Quand on est en stress et puis quand on a un danger, il faut que on soit tout de suite en action. Il ne faut pas qu'on dise qu'est-ce que je dois faire et tout. C'est trop tard, on va se faire bouffer. Une chose aussi qui est très importante en termes d'état d'esprit, c'est de prendre le temps de la transformation. Les choses miraculeuses n'existent pas. Le temps, il y a des choses qui prennent du temps. Il faut toujours pensez que toute chose prend du temps à être faite. Hein? Que ça soit lancer une boîte ou transformer un état de stress, ça prend du temps. Et chaque chose a son temps. Donc ça, c'est super important de le penser, car ça prend toujours du temps. On va voir qu'avec de la pratique, on peut réduire ce temps d'une manière considérable. Une chose aussi, il va falloir utiliser d'autres intelligences que la pensée. La pensée cognitive, c'est pas forcément un bon ami.
Et comme justement, il y a quelqu'un qui est en train de frapper à la porte parce qu'il y a quelque chose qui se passe autour de nous qu'on n'est pas en capacité forcément de voir tout de suite, il va falloir apprendre à lâcher ou à laisser venir et à utiliser notre intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, c'est ce qu'on appelle communément l'intelligence des génies. Hein, parce que vous allez capter des choses peut-être que vous ne comprenez pas, mais qui sont justes. Et souvent, comme ça vient du futur, on essaye de comprendre le futur. Et c'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'il faut que je fasse confiance à mon intuition? Ben oui, parce que souvent, on comprend bien après. Parce que c'est des choses qui sont pas, qui viennent pas du passé, mais qui viennent du futur. Et donc, c'est de lâcher prise, et notamment de laisser venir. Quand on laisse venir, c'est qu'on ne cherche pas, on laisse venir quelque chose à soi. Hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment apprendre. Et en plus, quand on laisse venir, on ne fait pas d'effort. Donc, quand on va traiter le stress, c'est super parce qu'il va falloir lâcher, laisser venir. Et en fin de compte, ça consomme peu d'énergie. C'est paradoxal. Le stress nous en bouffe, mais pour transformer le stress, eh ben, à un moment donné, pour faire venir les nouvelles idées, vous allez voir que ça ne prend pas beaucoup de temps. Enfin, ça ne prend pas beaucoup d'énergie en tous les cas. Et surtout, après, on va ressentir. Quand vous avez un stress, vous n'êtes pas bien. Alors, vous pouvez avoir mal au dos, mal au ventre, enfin, vous n'êtes pas bien. Quand vous allez avoir une solution qui va venir, si vous dites, ah, ça va mieux, eh bien, cherchez pas à comprendre. C'est que le corps, il a capté, et il sait que ce que vous êtes en train de prendre comme décision est la bonne. Alors vous, cognitivement, intellectuellement, vous n'allez peut-être pas comprendre, mais le corps, il comprend bien plus vite que la tête. Et en plus, le corps ne ment jamais. Donc si vous dites, ah, c'est bien, cherchez pas. Et souvent, moi, il y a des gens qui viennent parce qu'ils sont en crash, ça va mieux, ils vont voir d'autres personnes, ils se remettent en crash, parce qu'ils vont vers les autres personnes, ils disent, mais non, il faut faire autre chose, il faut faire ça. Donc, il leur dit de faire autre chose, et c'est autre chose, les mettre en crash parce que c'est pas la bonne solution. Voilà. Et quand ils reviennent vers moi, eh ben, ils disent, non, en fin de compte, la bonne décision, c'est celle qu'on a décidée avant, enfin, celle qui est venue quand j'étais avec toi, parce que je me sens bien, quoi. Et ça, c'est quelque chose il faut faire confiance. Hein? Les conseilleurs sont pas les payeurs. Hein? Donc, ressentez les choses. Alors c'est pareil, hein. On n'a pas tous une capacité à, voilà, j'ai coupé le micro, une capacité à utiliser l'intelligence émotionnelle ou intuitive, mais ça s'apprend. Hein. Moi, j'apprends aux gens justement à utiliser plus l'intelligence intuitive et émotionnelle. Hein. Ça s'apprend. Hein. C'est pas quelque chose. Alors il y a des gens qui ont plus inné, ok, hein, mais ça s'apprend et ça se développe. Alors le stress, on l'appelle aussi l'état crash. Alors l'état crash, c'est comment dire, un terme en cinq lettres qui a été créé par Robert Dix, hein, avec qui j'ai été formé et après que j'ai accompagné. Et le crash, c'est cinq lettres. Hein. Alors, le premier, c'est un terme mnémotechnique. Le premier, le C, c'est contracté. Quand vous voyez aussi, vous êtes contracté, hein, par exemple, vous dites. Ah bah tiens, cette personne-là ce matin, elle apprend avec des pincettes. Hein, vous voyez, hein? D'accord? Et ben là, ça veut dire qu'il est en crash. Et lui, il n'est peut-être pas conscient qu'il est en crash. Mais quand on est tendu, voilà, on est sur soi. On n'est pas sur soi et sur l'autre. Enfin, on n'utilise pas tout. Donc quand on n'est que sur soi, on est contracté. Voilà. Et donc, on est en crash. On peut être en crash aussi si on réagit, hein, si on est en mode combat, ou si on coupe la parole et que l'autre n'a pas fini sa phrase. Donc là, en mode réaction. Hein. Et là, notamment, c'est l'ego. C'est l'ego qui prend le contrôle et c'est l'ego qui dit, attendez, il faut que je parle, donc laissez-moi un peu de place, c'est à moi de parler. Donc là, on est en mode réaction. A comme analyse paralysante.
la paralysie. Ça, c'est le symptôme du dilemme. Est-ce que parmi vous, des fois, il y a des gens qui ont, qui savent pas prendre une décision parce qu'ils ont deux choix et ne savent pas prendre l'un ou l'autre? Hein, je pense que ça arrive, ça nous est arrivé tous un jour. Et donc, on est paralysé. On est là et on ne sait pas quelle on doit prendre. Est-ce que je dois prendre la décision de droite ou est-ce que je dois prendre la décision de gauche? Hein, la A ou la B? Puis à un moment donné, on dit, ah bah je vais prendre la A. Et puis ce qui se passe, c'est que quand on commence à dire à quelqu'un, je prends la A, l'autre, la personne là, qui vient suivant, a dit, mais non, c'est la B qu'il faut prendre. Et on repart justement dans ce questionnement, voilà, et notamment dans le cognitif. Et ouais, hein, c'est. T'inquiète pas, enfin, vous inquiétez pas, j'ai eu tout ça moi aussi. Hein. Toutes ces situations-là, je les ai vécues. Hein. Voilà. Alors, le S, c'est séparation. C'est quand on quitte, on fuit sans un coup de tête. Hein. Pas en conscience. Pas en conscience. On peut quitter un groupe, on peut quitter quelque chose, mais en conscience, c'est OK. Mais quand on part sans un coup de tête, sans raison apparente, ou sur un coup de colère, là on est en crash. Et le H, c'est quand il y a la haine. Voilà. Donc retenez bien ces cinq lettres-là parce qu'elles sont très bien, et notamment combat, paralysie, fuite. Hein, vous voyez, c'est les trois, comment dire, les réactions du cerveau reptilien. Voilà. Donc on les revoit ici. Une chose importante qu'il faut savoir, c'est que du stress. On a déjà traité du stress depuis très longtemps. Hein, comme je dis, quand le ventre y gargouille, ben, on sait qu'il faut manger. Quand on a les yeux qui s'alourdissent, on sait qu'il fallait dormir. Donc, on sait déchiffrer certains signaux que nos corps nous envoient, que notre corps nous envoie. Le truc, c'est que quoi faire dans une situation qu'on ne connaît pas? Parce qu'aujourd'hui, l'homme est en haut de comment dire, la chaîne alimentaire, et donc il n'a plus réellement de prédateur. Le seul prédateur qu'il a, c'est lui-même presque. Hein. Le gros prédateur qu'il a, c'est lui-même. Aujourd'hui, c'est justement d'utiliser le stress différemment. Enfin, les messages et le stress différemment. Donc, c'est comment faire avec des situations nouvelles qu'on n'a pas appris à l'école. Ça, c'est le genre de choses, on n'a pas appris à l'école et c'est bien dommage. Alors, le chemin de la transformation, c'est quoi? En étapes, donc je vais vous faire comment dire, un petit schéma. Le but, c'est de revenir en un état zen. On est stressé. La première chose, c'est d'en prendre conscience. Et là, je peux vous dire que souvent, les gens n'en ont pas conscience. Je crois que comme beaucoup de choses, hein, tant qu'on n'en a pas conscience, on ne peut pas changer. La première étape du changement, c'est d'en prendre conscience. Et souvent, quand on prend conscience des choses, c'est qu'il y a un état émotionnel qui arrive. Donc, ça augmente le truc. Voilà. Mais la première chose, quand on a un état de stress, quelque chose, un crash, c'est d'en prendre conscience en disant, tiens, je suis en crash, donc il y a mon ange gardien qui est en train de frapper à ma porte. Et donc, il y a quelque chose, il perçoit quelque chose que moi, je n'ai pas encore perçu, mais lui, il l'a perçu. Donc ça, c'est important, la première chose, de prendre conscience que vous êtes en crash. Oui, il est trop tard, ben, ça dépend. S'il est trop tard, c'est que tu en prends conscience très tard. Oui, tonnel. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important d'en prendre vraiment conscience. Ou d'écouter notre environnement. Moi, un jour, j'étais avec une personne. Et c'était le soir, on avait passé une bonne journée, et elle me coupe. J'ai dit, tiens, t'es en crash. Ah, mais dit, non, non. Et puis, je commence à reparler, elle me recoupe. J'ai dit, tiens, t'es en crash. Elle fait, non, non, voilà, tout de suite. Et puis, au bout de la troisième ou quatrième fois, elle me dit, mais pourquoi tu dis que je suis en crash? Ben, je dis, toi, tu me coupes, hein, mais je suis OK, hein, tu es peut-être fatigué et tout, je comprends. Mais t'es en crash, parce que tu m'écoutes pas. Voilà. Ah, elle me dit, ben, ouais, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, je n'en avais pas conscience. Hein, donc c'est vraiment la prise de conscience qui est vraiment très 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 importante. La deuxième chose, une fois qu'on est en crash, c'est de se recentrer.
Se recentrer, c'est de préparer la transformation. Se recentrer, c'est de revenir notamment dans un état présent. Donc, face à un crash, il faut être en état coach. Alors, ce qu'il y a, c'est que l'état coach, c'est aussi un processus de Robert, que moi, je pratique beaucoup et que j'ai en plus mis à ma sauce et amélioré, hein, avec toutes mes expériences. Il ne faut pas attendre d'être en crash pour faire des états coach. C'est trop tard. Il faut le pratiquer quand vous n'en avez pas besoin, pour que vous ayez l'habitude. Et c'est comme, je prends cette métaphore, c'est comme si à un moment donné, vous ouvrez un compte anti-stress et qu'à la banque anti-stress, vous allez mettre tous les jours 1 euro. Et à un moment donné, vous allez avoir votre compte qui va gonfler. Et vous aurez une golden carte au niveau de l'anti-stress. Et une fois que vous aurez ça, vous pourrez commencer à transformer le stress, les crashs. Donc la première chose maintenant, c'est d'avoir une pratique justement pour être cette fameuse carte anti-stress que nous on appelle l'état coach, ou il y a d'autres états, état génératif, état quantique, mais quelque chose justement pour vous préparer à la transformation, vous permettre à revenir notamment dans ici et maintenant, être connecté vraiment à notre cerveau, à notre cœur, donc à l'intuition et à notre corps, donc à nos sens. Hein? Donc c'est d'être vraiment d'avoir une pratique. Alors nous on a ça, vous pouvez avoir la méditation, vous pouvez avoir le yoga, vous pouvez avoir pas mal de choses. Ce qu'il y a à l'état coach est vraiment, vraiment adapté pour traiter des crashs, pour plein de raisons. Après, une fois qu'on est revenu dans un calme, parce que là on est dans le crash, on est peut-être en énergie, on est peut-être en colère, on est peut-être je ne sais pas trop où. Quand on vient là, on revient plus à du zen. Après, le stress, rappelez-vous. C'est votre ange gardien qui est en train de frapper à votre porte pour vous dire qu'il y a un problème. Donc, une chose très importante, derrière un crash, il y a toujours une intention positive, puisqu'il est là pour nous dire quelque chose. Hein? Donc, derrière un crash, il y a toujours une intention positive. Ça, il faut le noter, le renoter bien gros. Hein? C'est très, très important. Donc le but, c'est de trouver cette intention. C'est quoi le message derrière le stress, non une pipe? Hein, c'est ça qu'il faut se dire. Et là, il ne faut pas le chercher, il faut le laisser venir. Laisser venir justement ce message. Il pourra venir parce que notamment, on aura mis en alerte nos sens, nos cinq sens, notre sixième sens. On sera dans un état de zénitude et en capacité de capter les choses et d'accueillir les choses. Et vous allez voir que, comme vous avez l'habitude, ça peut venir en une fraction de seconde. Moi, j'ai pris des décisions grâce à ça, en une fraction de seconde. Attendez, il faut que je me mouche, excusez-moi. En une fraction de seconde, ça peut être très, très, très rapide. Donc, une fois que j'ai fait ça, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je décide. J'ai pris des décisions quand notamment j'étais en analyse paralysante. J'ai décidé que c'était la solution A et pas la solution B. Quelqu'un m'a dit, mais t'es sûr? J'ai dit, oui, je sais pas, mais mon corps me dit que c'est bon. Donc je cherche pas à comprendre. Voilà, je suis bien, la décision, mon corps me dit que je suis bien avec cette décision-là. Et bien en fin de compte, je la prends parce que souvent, on la comprend 1 ou 2 ans après. Parce que souvent, ce qu'on capte, c'est des choses du futur. Et donc, si vous commencez à avoir une décision, dire ouais, mais pourquoi je fais ça, c'est idiot et tout, vous remontez le cognitif et en fin de compte, tout le travail que vous avez fait avec votre corps et avec votre intuition, vous l'annulez. Et surtout pas monter au cognitif. C'est là qu'il faut faire confiance à son intuition. Il faut juste que le corps il vous dise oui, que votre corps vous dise ouais, c'est super. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les initiales de coach? Le C, c'est centrage, cette capacité à être centré dans l'état, dans l'instant présent. Le O, c'est d'être en. Alors, le centrage, c'est le centre de nous-mêmes, c'est un peu le centre de gravité, c'est légèrement en dessous du nombril.
C'est notre centre, c'est le hara, oni des japonais, c'est le, je sais plus quoi en chinois, je vous dis pas, parce que je suis très mauvais en langue, mais le hara, hein, quand ils font harakiri, ben, ils font le truc en dessous du nombril. Le haut, c'est l'ouverture, c'est la capacité d'être ouvert. Cette capacité à donner autant qu'à recevoir, et somatiquement, ça se passe au niveau du cœur. Et c'est la connexion justement avec ben, tout ce qui nous entoure, avec l'univers. Le A, c'est d'être justement alerte et de mettre nos sens en alerte. Voilà, nos sens, ils sont là. Voilà. Donc les sens que je vous dis, les six sens, eh ben, c'est quand on est sur cette position-là et on va les mettre en alerte. Le C, c'est la connexion. Donc on va remettre en connexion le corps, le cœur et la tête, mais on va aller même aller au-delà. On va se connecter au passé, présent, futur et aussi à des ressources qui sont bien plus grandes que nous. Et le H, c'est l'hospitalité, pardon, l'hospitalité plutôt que l'hostilité du trash. Voilà. Alors, donc on décide quelque chose. Et on voit ce que le corps nous dit. Si le corps nous dit, merci de couper le micro, j'arrive pas, Céline, à couper ton micro, je ne sais pas pourquoi. Merci de couper ton micro. Voilà. Donc vous décidez, et si le corps vous dit OK, vous faites. Si le corps il vous dit non, vous faites pas. Faites confiance à votre corps, car le corps ne ment jamais. Hein? Ça, c'est très important à l'avoir en tête. Et après, il faut agir. Parce que si vous agissez pas, bah, le crash, il va revenir. Si vous agissez pas, bah, le crash, il va revenir. C'est normal. Si vous trouvez une solution, mais vous ne la mettez pas en œuvre, à un moment donné, le crash, il va revenir. Donc, ça, c'est important. Et à un moment donné, bah, on revient. Et puis, à un moment donné, quand on se met vraiment en action, bah, on se dit, bah, pourquoi je n'ai pas fait avant? Voilà. Alors, en détail, qu'est-ce que ça donne? Donc, en détail, c'est vraiment prendre conscience du stress. Donc, on peut aller même plus loin. Moi, quand je fais le crash, je le détaille le crash et on va voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour justement compenser. On va compenser le niveau de crash par le niveau de coach. Mais on peut être soit dans les cinq lettres du crash ou soit dans une lettre. Et donc, à partir de là, on va compenser l'autre côté pour équilibrer, pour redonner l'équilibre. Quand il y a un crash, il y a un déséquilibre. Donc, il faut rééquilibrer justement par l'état coach. Autre chose, il faut accueillir le crash et son émotion ou son émotion associée sans jugement. Il faut vous accueillir en disant ouais, c'est super. Il faut plus dire maintenant quand il y a quelqu'un qui est en crash, il faut pas dire ouais, pourquoi tu es en crash? C'est ok, c'est super, tu as un crash, ok. On va se calmer et on va essayer de savoir quel est le message qu'il y a derrière. Et c'est, je vous le fais un peu court, mais c'est un peu ça. Donc, il faut l'accueillir parce que derrière le crash, il y a une intention positive. Et souvent, on voit ce qu'il y a devant, ou la partie émergée de l'iceberg, pas la partie immergée. Hein. Donc, c'est important de ne pas voir ce qu'il y a, mais voir ce qu'il y a en dessous. Hein. Donc, il faut vraiment l'accueillir, le crash. Il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Hein. N'ayez plus peur du crash. Après, on retrouve vraiment un état de présence. Donc, on retrouve ses esprits. On pourrait dire ça, on va retrouver ses esprits parce que il y a uniquement dans la présence qu'on pense, qu'on ressent, qu'on perçoit, qu'on dessine, qu'on vit exactement. C'est pour ça qu'il faut être dans l'état de présence. Si vous êtes, si vous êtes dans le passé ou dans le futur ou avec d'autres problématiques, vous n'allez pas pouvoir traiter le crash. Donc ça, c'est important d'être dans un état de présence, dans une paix et un silence intérieur. Il faut revenir au calme. Tant que vous n'êtes pas là, vous ne pourrez pas transformer. Il y aura trop de bruit, et notamment quand on laisse venir grâce et on capte l'intuition. L'intuition, c'est des signaux faibles. Ça fait très peu de bruit, donc il faut être dans un calme. Il faut être dans un silence. Si vous n'êtes pas dans un silence, vous perdez toute votre intuition. Le silence, c'est l'émergence. Si vous êtes dans un crash, il va falloir que vous reveniez dans un silence, dans un calme intérieur, dans un calme extérieur, dans un état de présence. Là, vous aurez toutes les chances de capter quelque chose grâce à votre intuition. Une fois que vous aurez capté ça, vous verrez ce que le corps vous dit. Si le corps vous dit c'est OK, vous y allez.
Et vous ne cherchez pas à comprendre parce que ce qui vous est capté, c'est une solution du futur. Donc n'essayez pas de comprendre quelque chose qui vient du futur. Il y a quand ça arrivera que vous comprendrez. Moi, j'ai des choses que j'ai compris 2 ans après. Hein. Mais que j'ai décidé, et j'ai décidé, et je n'ai pas cherché à comprendre. Je dis toujours, ne hein, cherchez pas à comprendre. Mais dans notre esprit cartésien, ça, c'est pas, c'est du lâcher prise. Hein. On aime bien le contrôle. Ben oui, mais pour transformer, il faut lâcher prise, donc il faut lâcher le contrôle. Donc après, on laisse venir, hein, laisser venir l'intention positive du crash, c'est-à-dire comprendre ce qu'il y a derrière, hein, le message. Hein. Votre ange gardien, il frappe à la porte, hein, et à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'il nous dit? La seule chose, quand votre ange gardien frappe à la porte, hein, la porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur, et l'intérieur, c'est vous qui avez la clé. L'ange gardien est là pour vous aider, pas pour vous sauver. Donc il dit attention, il y a quelque chose. Maintenant, c'est à toi de faire le boulot. Après, vous prenez une décision et vous la ressentez. Vous écoutez le corps parce que le corps ne ment jamais. Ça, c'est important. Si c'est bon, vous décidez et après, vous agissez. N'oubliez pas d'agir. Si vous n'agissez pas, ben, vous y revenez en crash, en stress. C'est normal puisque vous ne faites rien. Qu'est-ce qui est important concernant la transformation, les instructions de la transformation? Tout d'abord, c'est de maîtriser un état de centrage. C'est de maîtriser quelque chose qui va vous permettre de revenir dans l'instant présent. Et donc, ce n'est pas quand vous êtes en crash que vous pouvez le faire, c'est justement quand ça va bien. Donc, c'est une pratique journalière. Ça, c'est quelque chose que je dis systématiquement. Tant que vous n'aurez pas une pratique. Et ça peut aller vite, hein. En quelques jours, quelques semaines, on peut déjà avoir des bons résultats. Vous ne pourrez pas traiter un crash. Merci Céline, j'ai encore ton micro qui est là. Je ne sais pas, j'arrive pas à le couper. Si tu peux le couper, merci. Merci, mais il y a quelqu'un qui. Je crois que c'est Céline. Je ne pas là. Ah, peut-être Karine, peut-être. Voilà. Coupez vos micros. Merci, super. Alors, hop. Alors, donc maîtriser une pratique de centrage. Hein. Nous, on a l'état coach, mais vous pouvez faire de la méditation, arriver à vous maîtriser pour revenir dans un état de calme. L'après, c'est vraiment d'accueillir cela sans préjugés ni préjugés, sans jugement ni préjugés. Ça, c'est super important. Il faut accueillir. Il ne faut pas essayer de contrôler. Il ne faut pas essayer de résister. Il faut... Non. Il faut juste accueillir. Dire, OK, j'ai quelque chose. De toute façon, c'est pour mon bien. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Hein. Voilà. Ce qu'il faudra, c'est emmagasiner vraiment des importantes sources de centrage. Plus vous allez pratiquer des états de centrage, plus vous serez en capacité de transformer des grands crashs. Alors, au départ, vous allez comment dire, transformer des petits crashs. Mais après, vous pourrez transformer des grands crashs. Mais après, ce qui serait intéressant, c'est que vous allez pouvoir transformer des crashs le plus tôt possible. C'est laquelle tu veux revoir comme slide? Peut-être celle-là. Voilà. Voilà. De comment dire d'anticiper le crash le plus tôt. C'est-à-dire dès qu'on a quelque chose qui nous dit dans le ventre qu'il y a quelque chose, on n'attend pas, on traite. C'est-à-dire au lieu d'attendre, je sais pas, une journée, 2 jours, 3 jours pour traiter le crash parce qu'il a commencé à monter. C'est quand vous aurez l'habitude, vous allez pouvoir le traiter très 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 tôt. Plus vous allez le traiter tôt, plus ça sera facile, moins vous consommerez d'énergie et plus vous serez performant. Moi, il y a des choses que j'ai eues, mais très très tôt, notamment quand je faisais des processus et que je préparais mes déroulés, notamment de facilitation avec mon déroulé sur Excel. Et il y a des choses que j'ai senties tout de suite. Il y a quelque chose que j'ai fait, je n'ai pas cherché à comprendre, et ça a été la réussite grâce à ça de ma journée. Voilà.
et tout de suite. Donc ça aussi, c'est super intéressant. Comme je dis toujours, lâchez le cognitif. Le cognitif, c'est celui qui veut toujours vous mettre des bâtons dans les roues. C'est lui qui hésite, c'est lui qui vous met pas la confiance. Tous les soucis viennent du cognitif. Enfin, il y a beaucoup de soucis qui viennent du cognitif. Donc lâchez le cognitif. Le cognitif, il est là pour planifier, décider, agir. Voilà. Et encore, il agit. Enfin, ils disent que le corps, il décide. Voilà. Donc la tête, on laisse venir nos intuitions, donc on se les capte à notre cœur. Hein, l'intuition, les intuitions viennent du cœur. Nous sommes tous reliés, là je ne sais pas combien on est ce soir, on est tous reliés par le cœur. Hein, les 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, on est tous reliés par le cœur, et on est même reliés par le cœur avec les espèces. Voilà. Donc l'intuition, elle est là. Hein. Et c'est justement après ressentir. Donc c'est important dans l'état coach qu'on fait, c'est d'aligner terre, cœur, tête, cœur, corps. Mais pour la transformation, on va beaucoup utiliser le cœur et le corps. Voilà. Et après, ben, quand on dit ben, je vais faire ça, après c'est la tête qui reprend la main et il va faire ce que le cœur lui dit, ou le corps lui dit, on va dire. Alors. Avant de continuer, est-ce qu'il y a des questions? Je regarde un petit peu. Est-ce que vous en avez? Allez-y. Je regarde si j'ai loupé. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant de continuer? Ça me permet de boire un petit coup. J'ai mis ça aussi pour moi un petit coup. Surtout ce soir, j'en ai besoin. J'ai la gorge un petit peu irritée. Alors. Transformer le stress, c'est quoi? Transformer le stress, c'est une capacité pour quoi faire? Un petit coup de Bourgogne, ah ouais, ça je voudrais bien, Cécile. Hein. Un petit. Ouais. Je ne sais pas ce que je boirais. Du rouge plutôt. Hein. Alors, transformer le stress, ça va être une. Alors. Comment fait-on? Ce n'est pas une situation ponctuelle, mais plus à long terme. C'est pareil, Christine, que ce soit ponctuel ou à long terme, c'est ton ange gardien qui va taper. Le processus est le même. Que ce soit un petit stress. Pour lui, il n'y a pas de grand stress et petit stress. Il y a quelque chose qui est là et qui risque de te mettre en danger ou t'as pas vu quelque chose pour faire mieux. Donc il frappe. Il n'a pas cette notion-là, l'ange gardien, que ce soit petit, grand, long, court. Hein. Ça, c'est dans l'esprit très humain, cette durée. Hein. Donc, quand tu es en crash, qu'il soit petit, grand, et parce que tu ne sais pas si c'est à long terme et tout, eh ben, tu le traites de la même manière. S'il est là depuis longtemps, c'était peut-être ça ta question, s'il traîne ce stress depuis 6 mois, 1 an, ben c'est peut-être que souvent, tu n'as pas écouté ton corps. Hein. Voilà. Hein, donc, ça, c'est autre chose. Si ton stress, il traîne depuis très longtemps, là, tu as intérêt à te poser et à te dire, OK, parce que je fais rien, il y a quelque chose qui est là, qui me pourrit la vie, et donc maintenant, il faut que je le traite. Voilà, quand il est là depuis longtemps, ben, il faut que tu te poses et puis il faut le traiter, hein, c'est sûr. Comment sait-on quel est le message derrière? Ben, tu laisses venir, il y a quelque chose qui te vient. Il y a une idée qui te vient, hein, Fabienne. Il y a une idée qui te vient. Alors au départ, on n'a pas l'habitude, hein, parce que ça te vient. Hein, c'est l'intelligence des génies, il y a quelque chose qui te vient. Et quand ça te vient, tu ressens ça. Et si cette idée, te fait, ah, je me sens mieux, cherche pas. Le message, il est là. Il est le bon. Voilà. Moi, un jour, je reprends mon idée tout à l'heure de mon fichier Excel. J'ai senti que ma souris, elle devait, vous voyez, elle devait, je sais pas si vous la voyez, elle devait changer une cellule sur une autre. Elle devait inverser une cellule. Chose que je ne fais jamais dans mes processus. Il y a un ordre et cet ordre-là, je ne le fais jamais. Et cette fois-ci, je l'ai fait.
J'ai pas cherché à comprendre. Et quand je l'ai fait, j'étais mieux. Le jour où j'ai fait mon processus, c'était de la magie. Et je pense que c'est parce que j'ai inversé ça. Chose que je ne fais jamais. Mais ce jour-là, il fallait que je le fasse. Pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai fait. Et le résultat était là. Donc, je savais qu'il fallait le faire. Je savais qu'il fallait faire ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Je l'ai su quand la situation elle est arrivée. Et j'ai fait, ouais, d'accord, ben, j'ai compris. J'ai bien fait de le faire. J'aurais fait mon processus normal. Il y aurait eu certainement des choses qui se seraient passées, mais peut-être pas aussi puissantes. Voilà. C'était pas forcément. Là, c'était pas ce crash que j'avais, c'était pas forcément une menace. C'était juste le truc qui me dit, tu peux faire mieux, Eric. Hein, vous voyez, ça peut être, tu peux faire mieux. Hein, c'était pas un danger a priori. C'était juste de dire, tu peux faire mieux. Et si tu fais l'étape 3, tu la mets en 2 et la 2 en 3, ça va être mieux. Voilà, c'était ça. Et bien, je l'ai fait. Chose que je ne fais jamais. Et ce coup-là, il fallait que ça soit fait comme ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Fabienne. Donc, ça va augmenter votre sérénité. Si vous voulez être serein. Alors, je vis, je ressens. Je le vis, je ressens l'intuition, l'idée d'être dans les coups. Ouais, c'est ça, Tonel, tu vois. Tu ressens les choses. Et quand ça vibre différemment, et puis c'est une vibration qui est. Où ça dit, ouais, tiens, c'est ça, et tout. Et toi, c'est ta vibration te dit, ouais, tiens, tes stratégies sont pas bonnes, il faut peut-être que tu revoies tes stratégies, donc tes actions. Et ouais. Et si tu dis, ouais, c'est bon, tu le sens, cherche pas à comprendre. La réponse, c'est ça. C'est revois tes stratégies parce que là, il y a un truc, tu as peut-être oublié quelque chose, il y a peut-être quelque chose en trop, ou les stratégies sont peut-être plus adaptées, etc., etc. Voilà. Ouais. Donc, le stress, ça va vous permettre d'augmenter votre sérénité. Si vous voulez demain être serein, même avec toutes les tourmentes qu'il y a aujourd'hui autour de nous, vous avez intérêt justement à être dans l'arme anti-stress, à faire des états coach. Voilà. Parce que vous serez en capacité justement, tout ce qui est autour de vous, que ça se voulait transformer en opportunité, pas en menace. Sabine, bah là, tu verras une solution que j'ai tout à l'heure, c'est de pratiquer l'état coach, justement, et pour avoir ce calme intérieur. Voilà. Tu verras tout à l'heure, Samine reste bien jusqu'au bout, j'ai des solutions, tu verras en plus qui sont très simples et tu peux très 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 rapidement, t'as pas besoin de mois ou d'années de pratique pour y arriver, en très peu de temps tu peux y arriver. Tu vois, il y a une personne qui a commandé une formation il y a une dizaine de jours avec moi, elle a déjà des résultats. Voilà. Hein, voilà pas, pourtant, elle était pas à la. Elle n'avait rien de particulier, elle n'avait pas fait de pratique de yoga ou autre, et elle a déjà des résultats. Donc, comme vous allez diminuer votre perte d'énergie, vous allez en avoir plus, donc vous serez bien plus performant. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de le savoir. Donc quand vous allez faire ça, vous allez augmenter votre performance. Coupez vos micros. Merci, il y a des micros qui sont ouverts. Voilà. Pourquoi tu stresses les autres? Non, Patricia. Si tu es de plus en plus en état coach, souvent, tu mets les gens en état coach. Le truc, c'est quand il y a quelqu'un qui en crash, il peut t'amener en crash. Mais l'inverse, c'est plus difficile. Mais plus tu vas être en état coach, plus tu vas pouvoir amener les gens à l'état coach. Alors, la respiration, c'est super bon, c'est la première étape, c'est le C. C'est le C, enfin, c'est le début du C de l'état coach. Voilà. Mais on peut aller beaucoup plus loin, justement, pour avoir tout justement toutes nos ressources. Hein. On devient plus performant, les autres se sentent. Non, tu es performant. Ben les autres, ils n'ont qu'à faire pareil que toi.
Patricia, tu as fait un boulot. Si les autres ne veulent pas faire ce développement, toi, ce qu'il y a, tu sais, quand on fait du développement personnel, tu montes en conscience, tu montes des paliers. Si ceux qui sont en dessous, ils veulent pas le faire, c'est leur choix. Hein? Et tout le monde a des choix, et tout le monde ne veut pas se développer, ou tout le monde ne veut pas parce qu'ils sont dans le déni. Mais ça, c'est OK. Hein? Voilà. Faut savoir être égoïste. Non, tu prends soin de toi. C'est pas de l'égoïsme. Hein? Tu prends soin de toi. Tu veux développer. Tu veux comprendre comment tu fonctionnes. C'est pas de l'égoïsme. Parce que si demain Sylvie ou enfin je sais pas, c'est Sylvie qui a répondu à Patricia. Si demain il y a quelqu'un, Patricia, qui dit, ah attends, bah, souvent il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais, apprends-moi. Je le fais. Enfin je leur apprends. Donc c'est pas de l'égoïsme. Mais ils vont pas m'empêcher d'être bien. Pour toi, quelqu'un de mal, il va pas m'empêcher d'être bien. Voilà. Hein? Je sais pas si vous avez compris. C'est que moi, je veux être bien. Si la personne, elle veut pas devenir bien, c'est son choix. Et si à un moment donné, elle prend conscience qu'elle veut être bien, et ben là, je peux faire. Oui, mais on n'est pas là pour sauver les gens, Amélie. On est là pour les aider. Et les sauveteurs, c'est une chose. Aider, dans notre cas, s'ils ne nous demandent pas, on ne fait rien. Si les personnes ne nous demandent pas, on ne fait rien. Sans ça, on rentre dans un triangle de Cartman. Oui. Vous ne pouvez de toute façon pas prendre soin des autres si vous ne prenez pas prendre soin de vous. Tout d'abord, il faut prendre soin de soi. Les gens qui prennent que soin des autres sans prendre soin d'eux, à un moment donné, ils pourront plus, parce qu'ils vont être épuisés. Donc la première chose, mais c'est tout part de soi. Si vous voulez bien écouter les autres, il faut d'abord écouter soi. Si vous voulez prendre soin des autres, il faut d'abord prendre soin de soi. Hein? Ça, c'est super important. Alors, vous allez prendre de bien meilleures décisions et surtout de bien plus rapides de décisions. Ça, c'est super important. Et vous allez empêcher de perdre de l'énergie. Ça c'est très très vrai. Oui, mais Cécile, oui, ton patron est en crash, mais c'est pas pour ça il doit te mettre en crash. C'est son problème, c'est pas le tien. Voilà. Et si toi tu es en coach, peut-être qu'à un moment donné, un autre patron te dira, mais comment tu fais? Parce que maintenant moi j'en ai marre. Parce que peut-être qu'il vit mal, hein, mais il sait pas faire et personne ne lui a dit. Et surtout, vous allez renforcer votre système immunitaire. Et ça, je vous l'ai dit, en ce moment, c'est très, très, très important avec ce qu'il y a avec la crise. Alors, pour augmenter votre bien-être, il faut apprendre à transformer votre crash pour vivre plus sereinement, pour croître vraiment plus rapidement. Parce que si vous ne transformez pas le crash, vous n'êtes pas en croissance et vous êtes en dégénérescence. Ça, c'est important. Hein? Et surtout, vous allez devenir un maître dans la gestion du stress et des crashs. Hein? Voilà. Alors, augmentez votre bien-être. Bah maintenant, si demain vous êtes en stress, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Allez, par rapport à ce que je vous ai dit là, est-ce qu'il y a déjà des idées qui viennent là? Hein? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire de différent demain si vous êtes en stress? S'écouter. Ouais, Amélie, très bien. Écouter le message. Super. Accepter. Oui, Amélie, accepte. Ouais, très bien. Très, 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 très bien. Ouais. Écouter, prendre et entendre l'émotion, oui. Ne plus laisser par. Ah, ça va trop vite. Ne plus se laisser prendre par les crashs. Non. Voilà. Penser à toi et faire le job. S'aimer, oui. Respirer, s'arrêter, observer. Oui. Quand vous avez un crash, arrêtez tout. Ça ne sert à rien de continuer. Arrêtez. Posez-vous. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Respirer. Se recentrer. Oui. Mettre son cerveau sur pause. Oui. Ou mettre son corps en action. Être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de sa propre intuition. Oui. Faire une pause et se recentrer, se concentrer. Alors pour se concentrer, CA, hein, des initiales, c'est CA,
Si tu veux augmenter ta capacité de concentration, il faut, c'est par le centrage que tu vas le faire. Tu ne pourras pas te concentrer en essayant de te concentrer. Tu pourras te concentrer en te centrant. Voilà. Avoir une hygiène mentale quotidienne. Super, Sabine. Là, je te mets 2 pouces de like. Voilà. Oui. Souvent, les coach, on me dit, c'est l'hygiène de l'esprit. Voilà. Tu m'as dit l'hygiène mentale quotidienne. Oui. Tout à fait. Oui, c'est d'avoir une hygiène de vie, mais prendre soin de son mental. Hein, je le dis souvent, le mental, c'est 70 à 90% de votre performance. Oui, la méditation. Moi, je ne fais pas de méditation, mais je fais des états coach. Lâcher prise, oui. Super. Pardon, je suis vraiment. Oui, sophro, méditation, yoga, arts martiaux, voilà. Voilà. Fais un état coach avant de te lever, Cécile, ouais. Tu vois, rien que ça, hein. Rien que ça. Tu commences déjà par prendre soin de toi. Super. Ouais, chacun son truc. Oui, il n'y a pas une solution, hein. C'est un, t'en as plusieurs, hein. Moi, j'ai la mienne, elle marche très très bien, elle va très très vite, hein. Les gens, en très peu de temps, ils peuvent avoir des résultats. Voilà, hein. T'as pas besoin d'avoir 2 ans de méditation. Moi, un jour, j'ai fait un état coach à quelqu'un qui faisait la méditation en entreprise depuis 25 ans. Il m'a dit, Eric, en 5 minutes, moi j'étais transpercé alors que en faisant de la méditation, il faut au minimum 25 minutes. Comment tu fais? Voilà, c'est tout. Alors, quelles sont les solutions? Alors, les solutions anti-stress. Moi j'appelle ça les solutions anti-stress. C'était Sabine tout à l'heure qui me demandait les solutions anti-stress. Allez, voilà. Alors, il peut y avoir des séances de mentoring, hein, que je fais. C'est des séances, voilà. Hop. Des séances d'1 heure et demie à 2 heures. Voilà. Donc là, on peut travailler vraiment du perso. C'est pas du coaching, c'est du mentoring. J'insiste parce que j'ai même avant j'étais coach. Je ne vais plus faire du coaching, je vais faire du mentoring parce que je suis beaucoup plus puissant. Voilà. Pour en parler, je passe. Voilà, je passe. Hein. Voilà. Donc ça, vous pouvez soit prendre des séances à la carte. Et on va travailler exactement un point précis et pour vous mettre en performance. Moi, ce que je veux de toute façon, ah, je ne vais pas te le dire, mentoring, je peux donner des conseils. Je peux te transmettre mon expérience. Je peux te dire, le coaching, on ne donne ni de conseils, ni des choses de formation. Tu vois, dans le coaching, tu peux ni donner un conseil, vrai coaching, hein, attention, hein. Le coaching n'est ni du conseil ni de la formation. Voilà. Dans le mentoring, je peux justement transmettre ce que moi que j'ai appris. Voilà. Et en plus, je fais plus que du mentoring. Voilà. Mais je me libère et moi, le truc, je mets tout en œuvre pour que la personne, ça matche. Voilà. Parce que mon but, c'est que les gens s'épanouissent. Donc, je mets tout en œuvre. Alors, des fois, je fais du coaching quand je fais une question. Quand il y a une question qui me vient, une question puissante, je fais du coaching. Mais le coaching, c'est qu'une petite partie de ma posture. Aujourd'hui, j'ai plein de postures et j'utilise la posture, la meilleure posture en fonction de la situation de la personne. Voilà. La seule posture que je ne fais pas, par exemple, c'est la psycho. Je ne vais pas aller chercher comment. Non, pourquoi tu es comme ça? Moi, je vais chercher les solutions pour changer les choses. Après, il y a une chose, c'est le mastermind Cercle d'or de la réussite. Alors ça, c'est 2 jours. C'est justement, on va travailler le mindset et après, on va clarifier justement un projet. Hein, comme disait Napoléon Hill, je suis en train de relire Napoléon Hill. Il disait de toute façon, les gens qui réussissent, il y a 5% des gens qui réussissent sur Terre. Ben, c'est des gens qui ont comment dire, des idées claires, donc ils savent où ils vont et ils ont un plan pour y aller. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, ben, ils n'ont pas ça. Et on réalise le cercle d'or de la réussite. Donc, c'était l'ancien webinaire, celui du début janvier. Voilà. Donc, on fait tout ça. Donc, là, en général, on recadre les gens, on les remet sur la voie. Et puis, à partir de là, voilà, on sort justement des états crash. Souvent, des états crash, c'est parce qu'on n'est pas aligné, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Hein. Donc, c'est important aussi de savoir ce qu'on veut faire. Et surtout de créer la différence pour faire la différence.
Hein, parce que souvent, pourquoi on va faire appel à vous plutôt qu'à un autre? Et souvent, les gens, ils me disent, c'est une très bonne question, Eric. Et bien justement, grâce à tout ce travail-là, on va travailler la légitimité, la confiance en soi, enfin, on va travailler pas mal de choses comme ça. On va travailler sur l'être. Pas sur vos savoirs ou vos compétences, on va travailler sur votre être, votre profond. Voilà. C'est la première chose, c'est de travailler de l'intérieur de soi. Hein? On va permettre que la porte, elle s'ouvre, que vous puissiez ouvrir la porte. Et apprendre justement à transformer le stress pour s'en faire un allié. C'est ce qu'on fait ce soir, mais là, je le fais en détail. Oui, c'est ce qui est le plus important. Et après, il y a aussi dans ma formation entrepreneuriat, il y a des modules, voilà, qui répondent exactement à ce qu'on a fait ce soir. Le module 1, c'est booster le mindset. Voilà. Transformer les états crash et vivre plus sereinement. Donc là, tu vois, Sabine, ça peut être que ça pour toi. Le module 1, qui peut être ce soir. Donc ce soir, si tu veux vraiment déjà faire un pas, un grand pas sur ça, en plus, il est donné. Il est donné. Hein. C'est vraiment un module qui coûte pas cher vu ce que ça peut t'apporter. Ce qu'il y a, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais ça vaut bien des aspirines. Voilà. Hein, Cécile, hein, t'as pas mis longtemps, hein, pour mettre en application. Alors, les liens utiles, vous les avez pour les nouveaux, hein, vous avez plein de choses, vous pourrez avoir plein de choses, mon catalogue, les événements, le rendez-vous, mon LinkedIn, mon YouTube, les podcasts, voilà. Hein. Ah, t'étais cartésienne et tu n'y croyais qu'à moitié, hein. Mais tu m'as fait confiance. Voilà, et ouais. Et oui, les cartésiens, c'est dur, hein. C'est dur. Hein. Voilà. Et donc, la citation du jour, alors écoutez ça bien, je le sors régulièrement à hein, cette phrase-là, les périodes de stress sont des signaux de croissance. Oui, mais non, tu mets le temps, tu mets ton temps à toi. Quand vous faites ça, il y a une chose que je n'ai pas mise ce soir. Lâchez cette notion de performance et de bons résultats. Hein, comme on disait, comme on est à l'école, on a dit, ouais, mais je fais les choses bien ou mal. Non, faites les choses. Si vous faites les choses, vous les faites. C'est le plus important, vous pratiquez. Et vous allez prendre la vitesse à votre, vous allez prendre votre vitesse à vous. Hein? Et souvent, quand on lâche la performance, on est performant. C'est paradoxal. Quand on est en état coach et qu'on prend le temps, on devient plus performant. C'est paradoxal. Hein? Pensez à ça. Les périodes de stress sont des signaux de croissance. Ben oui. Au départ, c'est des signaux justement de menace. Hein? Donc normalement, on n'est pas dans la croissance. Si on utilise l'adversité correctement, on peut grandir à travers elle. C'est exactement ça. Si vous ne transformez pas le stress, vous êtes en dégénérescence. Si vous êtes vous transformez, vous êtes en croissance. C'est exactement ce qu'a dit Abraham Tversky. Excusez-moi si j'ébrèche son nom. Et moi, je dis que le crash révèle un désalignement d'une personne et quand beaucoup de personnes le sont, un désalignement du groupe. Et ça, c'est ce qui se passe dans les entreprises. Quand une entreprise va mal, il n'y a pas qu'une personne qui en crash. Hein. Hein, Cécile, tout à l'heure, tu disais que tu as ton patron, mais il te mettait en crash et il mettait en crash certainement tout le monde. Et bien, ça, c'est un problème de désalignement, donc il y a quelque chose de bien plus profond. Là, il faut revoir la pyramide de 10 ou les choses que je vous ai dit. Turnover norme, oui, bien sûr. Turnover norme, c'est un élément qui permet de dire qu'il y a du crash ou qu'il y a des risques psychosociaux. Voilà. Hein. Burnout, turnover, c'est même combat, hein, tout ça. Hein. Voilà. Donc maintenant que vous en savez plus sur l'état crash, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans des choses très concrètes. Très, très concrètes pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, notamment, on va se focaliser sur les multiples utilisations d'études de marché. Parce que souvent, on ne voit pas comment dire, les utilisations d'études de marché. Alors, on le fait sans en avoir très envie déjà. On l'a fait mal. Et puis, on ne voit pas l'utilisation. Moi, aujourd'hui, j'utilise tout le temps mes études de marché. Je l'ai vu hier avec encore Bernard, quand je dis quelque chose, je me rapporte à mon étude de marché. Je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà.
Alors maintenant, on va faire des questions ouvertes. Et puis, vous allez recevoir aussi un mail pour avoir le support. Donc, vous abonnez au support. Et à la fin, vous avez plein de ressources. Hein, vous aurez plein de ressources, notamment d'informations gratuites, LinkedIn, comment s'abonner, me suivre, exactement, exactement. Donc, vous avez pas mal de choses, hein, pas mal de ressources qui seront à votre disposition. Il faudra juste vous abonner à ma... à mon... comment dire, à ma société, quoi. Voilà. Alors, maintenant, vous pouvez ouvrir les micros. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Qu'est-ce que vous avez aimé? Et qu'est-ce que, par exemple, vous auriez aimé de plus? Voilà, tiens, on va faire ce genre de choses. Merci pour tout le monde qui doit nous quitter. Voilà. Et, mais pour les autres, vous pouvez alors soit poser des questions sur ce webinaire-là, soit sur une autre, ou soit sur autre chose. Hein. N'hésitez pas. Si je peux répondre, j'y réponds. Si je ne peux pas y répondre, j'y réponds pas. Oui, Il il y y a le micro a, qui s'ouvre. oui, il y a un monsieur Baudet sur LinkedIn que tu partages systématiquement. Est-ce Oui, Jonathan. le fils? Jonathan, ouais, il fait des trucs sympas et comme les petits carrés, ça ressemble. Je Ah me ben, suis posé la question. il y a une marque de fabrique de famille, hein. Ouais, il y a une C'est marque de ça, fabrique, hein. c'est cela. Ben ouais, hein. Quand quelque chose marche, hein, je vais te dire, on transpose. Je crois que c'est peut-être lui qui a commencé, enfin je sais plus qui est-ce qui a commencé, ou c'est peut-être nous qui avons commencé, mais je sais plus, enfin je sais plus. Enfin, c'est l'intelligence Non, mais collective, on sait plus d'où ça vient. Voilà. c'est complètement complémentaire, donc c'est très bien. Oui, parce qu'il ne traite pas tout à fait les mêmes sujets que moi, mais on traite justement tout ce qui est développement personnel et professionnel, et il fait avec ses yeux, enfin son approche, et ben c'est très bien.